Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve ici avec grand plaisir, bataille classée sur World of Tanks. On est toujours, j'ai pas bougé, j'ai pas joué sans vous, je vous le promets. On est toujours en division de fer, je sais même pas si on sait le voir, division de fer, rang B là, ou rang de fer, division B, j'en sais trop rien, enfin un truc comme ça quoi. Fer et B quoi finalement, voilà, comme ça c'est clair. On a pris le Ori 3 ici dans cette map un peu de ville là, vite fait, j'ai envie de dire. Avec son bon gros DPM des familles là. On va peut-être faire le taf, un peu de bladage, juste ce qu'il faut. Une bonne AP qui perce bien, c'est de l'AP en plus, donc que demander de plus. Bon, la vitesse c'est pas terrible, la vélocité de l'obus c'est pas foufou, c'est toujours plus rapide que l'AP de base. Pénétration 360, c'est assez énorme, l'air de rien, c'est assez énorme. Donc on doit tout percer là, logiquement. Même une face tourelle de Crown Wagon ou un truc comme ça, normalement. Pourquoi j'en ai qui sont mutes et d'autres non, là? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. On va se mettre ici tout de suite en position. Voilà, lui là, regardez-moi ça. Lui, il est beau, toi t'es beau. Tu l'as mangé, face tourelle, mon ami. Le mot, sinon, viens pas me bousculer. Pitié, on est en classé, fais pas n'importe quoi, le gros veau, là. Laisse-moi tirer un coup, là, tu vois bien que je lui rentrais, moi. Toi, tu vas galérer. Ok, il avance, parfait. Avant seulement, mon ami, j'avais pas le shield par contre, le con qui me l'a rentré, par contre j'ai pas trop de visu là. Tiens, mange encore face tourelle, ça fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. Pleine face, ça rentre, c'est merveilleux, 360 de peine. C'est merveilleux, alors il revient encore, vas-y. Ah, celle-là elle est pas passée, il me la rentre lui par contre, il me fait les munes, il me fait le tireur, hop hop hop. Pas... Merde, j'ai fait mon aspiré là, je sais pas quoi, merde, il me la rentre encore là, vraiment. Vraiment, vraiment, bon. Merde, ça rentre plus, ça rentre plus, ça rentre plus. Ouais, j'ai bien fait de m'angler là pour le coup. Non, il me l'a encore rentré ce bignou. Finalement, il va prendre l'avantage là. C'est pas bon, c'est pas bon. Ok, il traverse là-bas. Il croit que je reviendrai plus. Tiens, mange-toi ça, mon ami. Mange-toi ça. Ah, il répare aussi lui. Merde, il me la colle encore, hein, décidément. Un peu la loose là sur lui, tout de suite. 57. Mange seulement, allez non, ne me la colle pas, le S-Conk, c'est bien, bounce-moi, merci, c'est mignon, c'est gentil, c'est un peu affligeant là, mais il me la rentre encore, il me fait encore les munes quoi, sérieusement, c'est un peu abusé ça tout de suite, merde, ça rentre pas, il va me tuer ce con, oh la chance, la chance, la chance, la chance, je peux faire le 7 là, je vais faire le 7, je vais pas me priver, est-ce que je récupère, non, je récupère pas de poids de vie malheureusement, c'est compliqué là avec le S-Conk qui me rentre tout. Ah bah oui, il me rentre tout, hein, il me rentre tout, il me rentre tout, quoi. Compliqué, compliqué, mauvaise team en plus, 0-4. Donc là, même avec la meilleure volonté du monde, j'aurais pas pu le faire tout seul, à mon avis. On va quand même attendre le bestiau, quoique on a un peu de temps, enfin non, on va attendre le bestiau, au cas où on le reprendrait, mais je pense pas. La peine, ça faisait plaisir au début de percer le S-Conk, je l'ai percé où d'ailleurs? J'arrive pas à le voir là tout de suite, pas vraiment dans le mantelet quand même, faut pas abuser. Mais bon, pour le même prix, ça aurait pu passer, quoi. Il y en a quelques-uns qui sont passés. Moi, ça m'a plu quand même de percer comme ça, même sur la paire, tant pis. De percer comme ça, le S-Conk, comme ça. Assez easy peasy, un peu décalé du canon, là, qu'il fallait tirer. Après, j'ai essayé le tourello et tout, mais ça n'a pas voulu, ça n'a pas voulu. Bon, c'est pas grave, un peu trop bas, peut-être, j'ai tiré, certainement. En tout cas, ça va être perdu, malheureusement. Il augmente ses caractéristiques. Bon, bien essayé, mon ami. Pourquoi il fait ça? Pourquoi à ce moment-là? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Encore spoté. Perd ma spot, le mec. Ils prennent tous les trucs, là. Toutes les... Bon, on sait où tu es, mon ami. On sait où tu es. Alors, Panzer 7, là-bas. Vas-y. Fais-toi tuer, voilà. On en finisse. Pilote est blessé. C'est qui lui a fait le pilote? C'est encore le S-Conk magique, là. S-Conk magique. Alors, il est fini ou pas lui? Jusqu'au bout de chaque bataille, pour tout simplement pour récupérer le char, là, puisque sinon il est en bataille comme d'habitude, ça vous connaissez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, capturer, allez, c'est bon. C'est bon là, mon gars. C'est tombé quoi. Vas-y, shoot le Panzer. Non, même pas. Bon, bon, bon. Dommage que le S-Conk me perçait aussi face tourelle là, ça c'était moins drôle. Je l'ai percé face tourelle, il m'a percé face tourelle. Bon. Dans l'autre, balle au sort, j'ai envie de dire, mais 0-1 pour eux quand même. Puisqu'ils ont gagné, là, les rouges, on perd 22 points, bon, tant pis.
Essayer de les regagner dans la foulée. Qu'est-ce que ça dit? Je finis quand même quatrième au classement là. Bon, pourtant j'ai fait pas mal de dégâts. Je comprends pas que je finisse derrière le 140. Il a pas fait vraiment d'assist. Non, ouais, je comprends pas. Il en a fait un peu, mais bon, bref. On est reparti en STB du coup. Pour essayer en fait de passer en division argent. Enfin, déjà en bronze, ce serait déjà bien. Puis ensuite argent pour essayer d'avoir le KPZ 50 tonnes. Et si je peux, j'achète aussi le concept B. On verra ça. Alors ça, si j'y ai accès ou pas. Je pense pas aller plus loin avec la division argent. Honnêtement, j'ai un peu la flemme. J'ai clairement un peu la flemme. Je suis bien au STB là. Oui, je suis là-bas au-dessus à droite. STB, est-ce que je garde lui? Est-ce que je prends autre chose? Lui, il prend son Batchat. Est-ce que je prends autre chose ou pas? Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai de beau qui pourrait faire le café là-dedans? Je ne sais pas. Je connais même pas toutes les caractéristiques de chaque T57. Non, pas sur cette map. Et je vais prendre le STB, on verra bien. STB1. J'ai pas d'autres configs, je crois, donc ça c'est réglé. Stutzanki. Ok, la cape elle est là. Il y a une artie là-bas, il y a un truc de spot là à gauche. Je vais essayer d'aller le chercher, à moins que le 430U il y aille. On va voir ça là tout de suite. On va déjà prendre la truc là, comme ça je la claque direct, on voit où ils sont. On est pépouze, peut-être pour aller à la colline, on verra ça. Or, je la claque juste avant d'arriver à la colline, ça peut être mieux encore. Pour bien voir où ils sont, les oiseaux. Ils la prennent aussi, eux. Ils sont arrivés bien avant nous. Alors, ils vont la claquer, certainement. Allez, j'en prends, je suis une IHS. Merde, je peux plus capturer là. Ça va, il la claque pas tout de suite. Si ça y est, il la claque, je vais prendre cher là. Je vais prendre cher. Allez, répare la track. Non, ça va, je prends rien du tout, c'est bon. C'est tout bon, parfait. On peut y aller, on peut continuer. Ah, ils prennent la frappe d'Arty, par contre, ça c'est moche. Comment ils sont arrivés là? L'autre, il a décap, parfait. Oh, j'ai claqué quand même mon truc là. Hop. Ça, on les spot tous, c'est mieux. Vas-y, prenez. EBR là-bas, Zobière. Alors, est-ce qu'on aurait des lourds ici, peut-être à taper? Notre bon défilement de tourelle, qu'est-ce que ça dit? Non, personne. Alors, je suis spot à nouveau, ils ont repris une truc là? Non, même pas. Juste spot comme ça, à la fraîche. Toi, c'est gratuit là. Mange-toi ça, je recharge avant lui. Et ça vient vers moi. Et ça rentre, merveilleux. Normalement, je suis en défilement de tourelle et lui, il est assez dans la pompa là pour le coup. Donc, c'est assez facile à farmer. De toute façon, il y a 60 TP juste derrière. On va essayer de finir lui là qui est track. Très bien. Pas le finir, mais du moins l'entamer mieux que ça. 60 TP invisible, mec. Caché dans son petit bush là. Attention à lui quand même. Personne n'a fini le conque là. Dommage, dommage. Le conque qui s'est cru de je ne sais pas où là. Et 60 TP, je lui ai peut-être collé aux 60 TP. Je sais pas trop. On a perdu l'autre là-haut là. C'est pas grave, j'ai Zozo qui me couvre. Alors j'ai l'aspiré. Vas-y, je vais le claquer. Ok, ça me rush. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. C'est bon en fait. Ok, il est mort. Merci derrière. Merci les collègues derrière. Le escon qui claque pas son aspiré. Okay, flotte tourelle, moi je prends. Ça c'est cadeau, flotte tourelle. C'est clairement cadeau. Attention là-bas. Non, ça va, Jack Panzer. 60 TP peut-être. Alors oui, il est là-bas. Merde, ça bounce ça. Si je tire comme ça, évidemment que ça bounce. Alors il est toujours là. Là, ça va aller mieux. Voilà, ça va aller mieux. Repliez-vous d'ici, qu'on me dit dans l'oreillette. Non, merci. Non, merci, mon petit. Et voilà, Smat. Je pense pas qu'il ait trop bougé non plus. Je sais pas. On a Smat par là, on verra bien. Alors, est-ce qu'on va chercher le BR? Il est juste là. Ma spot. Qui ma spot? C'est lui. C'est le BR. Attention, 60 TP du coup. J'ai pas envie d'en manger gratos. Je prends pas l'assist sur le BR là, non? Bon, tant pis. Alors, on avance ici. Si on finit le BR, voilà, ici. Ok, voilà, ça c'est fait. Deux petits kills, c'est tout bon. On prend la frappe d'Arty tant qu'on y est. Attention aux 60 TP qui traînaient derrière. Non, ça va, ils sont tous rentrés en ville. Je vais claquer ma frappe d'Arty. C'est où? Voilà, le 8. Hop, on va la claquer dans le tas là-bas. Hop, c'est parti. Et on va aller aider les copains dans la foulée. Lui, il est juste là. Merde, ça bounce. Tristesse, tristesse. Dégâts par étourdissement, je prends toujours ça, je prends. Je vais plus mettre la marche avant automatique là quand j'ai. Où est-ce qu'il va lui? Il tourne sa tourelle, tiens, mange, c'est cadeau. Voilà, ça c'est fait, ça c'était une belle bataille rondement menée, comme on dit dans le jargon.
pour le coup assez content de ma game, j'ai fait la game quasi parfaite, quoi. Finalement j'ai peut-être même encore à se mater le 60 TP hors blind. Voyons les résultats. 4100, oui, je lui ai fait à blind, certainement à lui. Qu'est-ce que ça dit? 60 TP, oui, ça doit être lui. Je l'ai pas tué, j'ai appliqué le bonus, tiens, voilà. Plus 39 points, est-ce qu'on passe dans le rang supérieur? Je finis top XP là, ça c'est cool. Ça fait plaisir, top XP, je veux dire XP de Pégase pourpre, évidemment. Le reste là, on s'en fout un peu. Je suis presque en division A, je vais encore faire une bataille du coup. Même une deuxième s'il faut, enfin une quatrième en tout. Alors cette map-ci, c'est pas mal. Cette map-ci, ça peut être sympa. Est-ce que je prends le Kronwagen? Est-ce que c'est le piège à con de prendre le Kronwagen? Après, non, il a l'avantage des barillets, là, le fameux avantage des barillets. Ça peut être cool. Qu'est-ce que ça dit, ça? La dispersion du canon. Est réduite. 45, 52, 70%. Le temps de rechargement entre les tirs est réduit. Niveau de charge de la compétence de rôle et de rechargement 5. Et ça se fait automatiquement, ça, je crois. Si je ne m'abuse, est-ce que je mets plus de gold? Vas-y, on va mettre plus de gold, on ne va pas être radin. C'est jeudi, c'est ravioli. Ça vient d'être les bonus crédits, là, pour le coup. On est parti, on se concentre. On se calme, on se détend au coup. On se réveille aussi en même temps. Je sais pas si j'avais les bons équipements, là, tout de suite, on va voir ça. N'empêche, j'ai mon Kronwagen là, donc c'est un moyen de faire le taf normalement avec ça. Il y en a qui partent là à gauche, ils sont nombreux quand même. Attention à ce qu'on se fasse pas déborder. Je peux claquer mon set là. Est-ce que je peux le claquer là tout de suite? La charge est de A. Ah, j'ai une deuxième charge qui monte. Ça se claque pas tout seul, non? Comment ça se passe? Je sais pas, on va voir ça. Oh, t'avais pas le Kronwagen, mon ami, le Tessa. Bon, il veut monter là-haut, lui. Vas-y, on va monter là-haut. Pas de soucis, on est spot là. Oui, ça c'est normal. UDS là-bas. Il y a ce mat l'autre. L'autre Lolo. Il y a personne qui a pris un truc pour voir où ils sont là chez nous. Ça c'est dommage quand même. Alors M5 Y. Et ça rentre, merveilleux. On va essayer de la smater, lui. Merde. Merde, merde, merde. Je vais prendre partout là-bas. Et on va essayer de caler des tirs là quand même. Lui, attention à lui, il revient. Il sait que je suis hors charge. Ouais, là ça va être chaud. Non, ne me perce pas mon ami, c'est ça, tape le conque. Très bien le conque. Ok, on n'a plus de pilote, on va le soigner. Lui il me veut à mon avis. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous agressent là, clairement, ils nous agressent. Ils nous agressent. Ben, ils nous agressent. Ils nous agressent, ça veut rien dire, Benito. Alors on va tout de suite partir sur lui. S'il faut, je passe de l'autre. Je vais partir de l'autre côté là tout de suite parce que là je vois le Controcalo attaquer là. Non, non, toi tu tires dans la terre, merci. C'est sympa. Alors 438 là-bas. Vas-y, je vais descendre là. 438. Merde, Bones. Oh l'arnaque. Là, je vais crever à blanc. Ok. Donc, j'allais me planquer. Il m'a pas vu que j'étais à poil, lui. S'il arrive à me voir quand même, je pense. Est-ce qu'on que dans le flanc, je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Équipe en bois, j'ai fait de la merde. On la perd, clairement. On la perd, on la perd. En même temps, on a un TVP qui essaye d'aller flanquer tout dans le fond là derrière. L'autre léopard qui croit qu'il a une tourelle. Enfin, à un moment, les gars, venez aider la team. Vous voyez qu'on est débordé. Enfin, je sais pas, rentrer dedans, quoi. Dans le 438, dans le Escong, rentrez-leur dans le tas, quoi. S'il y a les maisons qui vous gênent. Je sais pas, non, ils snipaient, les mecs, ils snipaient là. Et l'autre, il rentre pas ses tirs dans le 438, à mon avis. Bon, ça me saoule un peu là, parce que clairement, on pouvait faire mieux là. Aussi bien eux que moi, le Escon qui va rouler sur le TVP. Il va te voir, mon ami. Il va te tirer dessus. Le Léo, vas-y. Colle luisant. Dans le flanc de tourelle. Ouais, vas-y, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais ça suffira pas, malheureusement. Le TVP est vraiment pas dégourdi pour un sou, là. Il va même pas décaper. Ça y est, il commence à se reprendre. Il va se prendre le M5 Y dans le flanc. Voilà. Merveilleux, merveilleux. Il a plus de mun, il a plus de tireur, le Lolo. Bon, allez, meurs. Mort en silence, j'ai envie de dire. Petit soigne en plus là. Ah, c'est la Hesse là, c'est la Hesse. Ah ouais, bah ouais, il cap en plus. La totale. Oh purée. Oh là là, c'est énervant de voir ça quand même. En même temps, pourquoi ils prennent pas full lourd et qu'on roule vers la cape là? Je comprends pas les mecs qui jouent à des médiums et qui les jouent comme des TD, pris pire quoi. Je sais que c'est des médiums en mousse, mais prenez des médiums costauds alors, j'en sais rien moi.
Si c'est pour sniper à mi-distance, enfin, j'en sais rien, ça... C'était pas très cool cette partie, ça m'a pas trop plu. Bon, c'est fait maltraiter là, on était débordé de partout, je vais me planquer ailleurs, je suis encore, je me fais encore déborder quoi. À un moment, ils étaient 14 ou bien comment ça se passe? Alors qu'est-ce que je vais prendre sur cette map? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je garde le STB peut-être. Grunwagen, ça m'a pas trop plu. Ça m'a pas trop plu. Sauvette et Sortu AX. Sortu AX, ça vaut pas le coup. Tout le monde va me peine là. Je gardais le STB, je crois. T-110E5, non, faut pas déconner un moment. Le vieux char. Bon, on va prendre le STB. J'espère gagner quand même là celle-ci parce que c'est dégoûté. C'est jeudi après-midi. Ça devrait mieux se passer que ça logiquement. Mais bon, il n'y a aucune logique des fois dans ce jeu. Qu'est-ce que ça dit notre team? Je n'en sais rien. C'est même pas XVM ni quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai aucun mode donc. C'est pas dire le niveau de la team ni celle d'en face. Bon, on va essayer de partir par là en tout cas. La dernière fois je suis parti par là, on a perdu. Non, on a une fois on est parti par là, j'ai gagné parce que j'ai capturé, mais une fois on est parti par là. Non, j'étais en face, je sais plus, enfin bref. Et on a perdu, donc je sais pas, je retente le truc là, on verra bien. Au pire quoi, au pire on perd quoi. J'en mourrai pas non plus, mais bon. Ça va me faire chier. Bon, lui, il s'arrête au milieu de la pompa là tout de suite. Allez mon ami, qu'est-ce qu'il fait là? Tu l'avais pas le STB, le mon gars, il était complètement de l'autre côté de la dune. Maman, arrête de croire au Père Noël, j'ai envie de dire. Vas-y, moi je vais chercher la frappe d'Arty, lui là-bas. Toi t'es beau. Ah, oh, je le bounce là, je l'ai vraiment bounce. Attention qu'on n'a pas spot tout le monde là. Merde, petit coup de stress là. Mauvais gameplay du coup. Alors. Ok, revoilà son collègue. Normalement, je les perce fast. Pourquoi je n'ai pas la dépression là? Vraiment, vraiment. Bon, c'est pas grave, j'ai pris de l'assist au moins. Vraiment que j'ai pas la dépression. C'est quoi ça? Je prends une frappe d'Arty ou qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cet obus qui est arrivé d'ici là. Est-ce qu'on qui fonce dans le tas? Why not, mon ami? Lui, il en prend de là-bas. Est-ce que là, ça se passe pas mal. Ah, TVP, non. Est-ce qu'on qui va chercher la frappe d'Arty? Ah, 2, 6, 8, 4, ça c'est pas. La même mayonnaise, alors là, merde, bah oui, précision pareil en même temps, je suis spot là, et il est là lui. Le 684, ouais, le char assez pété en 7v7 malgré tout. Je suis sûr, on prend 6, 7, 2, 6, 8, 4, on le roule dessus quoi. Vas-y, je vais avancer quand même, j'ai même pas peur de lui. Rinocelonte là-bas, Rinocelonte. Essaye de nous circuler là gentiment, TVP là-bas. Attention au JP, monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, il est dans son trou. Et notre challenge, il est de l'autre côté. Je suis spot. Ils ont repris certainement le truc de spot là. 2, 6, 8, 4, il arrive. Attention à lui. On a intérêt de faire un beau focus dessus. Peut-être d'abord le TVP. Très bien. La frappe d'Arty. On est en train de capturer l'air de rien. Ça peut être rigolo. Ça peut être sympa. J'espère le percer lui tout de suite. Et ça rentre. Attention, il me vise. Pas s'arrêter lui à tous les coups, ça il arrive. Voilà, ça rentre encore, mais voilà, je le prends le gros shoot. Il est de flanc, parfait. On va essayer de le permatrack, voilà qui est fait. Parfait, c'est plus un problème lui. Nickel. Alors maintenant les TVP, j'espère qu'il va me suivre l'autre zozo derrière là. Vas-y, je claque mon truc là. Aspirer. Pourquoi j'ai pris je sais pas quoi sur le Rhinocéronte là du spot ou bien? Et le TVP se casse là-bas. Jack Panzer dans la pompa, c'est peut-être l'occasion ou jamais. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas, ok. Ok, il est mort, parfait. STB peut-être. STB, où est-ce qu'il est? Pourquoi j'arrive pas à plus descendre ma souris? Bon, on va se faire eux là parce que lui, il va se les garder pour lui sinon. Voilà, ça c'est fait. Ok, ça devrait être gagné normalement. Ça devrait être gagné. Alors on est toujours en train de capturer. Ils sont tous là dans leur trou là. Faites votre greu les gars. Pourquoi j'ai pris tant d'assist que ça sur les autres là? Je vais refaire l'aspirer là vu que je l'ai à nouveau. Je l'ai à nouveau. Donc ça c'est tout bon. Voilà, je gagne encore des points là sur le STB tout ça.
Il le claque pas assez, si, il est au claqué. Si, si, ils l'ont claqué. Et là-bas, dans le QQ du STB. Alors, on va faire. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, Rinocerontes. On roule un peu dessus, là, vous remarquez, on roule un peu dessus, vite fait, là. Le Sortu est moins là, et le Léo aussi, tiens. Il va plonger dessus. Comme un sourd. Bien joué, bien joué. Très bien joué. J'avais encore l'aspiré là. On peut claquer tout le temps en fait. L'aspiré, comment ça se passe là? On a trois charges en tout, je sais pas. Bizarre. Bon, c'est pas grave. J'ai pas trop fait gaffe dans les games d'avant. Vraiment, on a pas mal de charges du aspiré. Ok, plus 29 points, ça c'est cool. Que ça dit affiger 5 coups critiques en une bataille, j'ai une mission comme ça, j'ai gagné quoi là, 53 obliques, ça c'est cool aussi. Des crédits, très bien, très bien. On en est où? Toujours division B. J'ai l'impression qu'on n'a pas bougé sur 30 batailles que j'ai faites là depuis le début des classés, j'ai pas bougé d'un poil, je suis toujours en B. Bon, au début j'ai commencé tout en bas de B au final, mais je suis redescendu à un moment en C, peut-être même en D, je sais plus. Et là du coup on se retrouve en B, presque en A, n'empêche. Qu'est-ce que je vais prendre comme zozo là? J'ai bien envie de prendre ça à nouveau. Ça avait plutôt bien marché, même si tout le monde gold dedans. Vas-y, on va prendre ça, on va rigoler un coup. Ça va bien finir par marcher normalement. Le Ori 3. Histoire de tout peine là, facile normalement. Pas de turbo, j'ai pas une config turbo, non, j'ai pas de config du tout, donc je vais garder ma config une là pour le coup. Voilà, pas ma confiture sinon. N'importe quoi. Content de mes conneries. Alors, où est-ce qu'on va aller jouer? J'ai presque envie d'aller chercher le promontoire des TD là-bas, là. Vous savez quoi, je vais y aller. Je suis à TD, je vais au promontoire des TD. Je vois des angles un peu partout là, quasiment, normalement. Là où il y aura de l'action, en tout cas. J'espère. Après, je joue jamais ici. Je joue déjà rarement TD. Quand je prends ce TD en FFA, bah, si je tombe sur cette map, je vais au quoi des lourds, quoi. Mais jamais je joue ce quoi-ci, là. Ce quoi des TD. Je vais juste ici, des fois, quand je vais chercher les TD adverses, quand je pop de l'autre côté. Et que je viens chercher les TD adverses. Alors là, eux, là-bas, ils vont prendre. Ouais, lui, là. Tiens, mange-toi ça, mon ami. Ça, c'est gratuit. Ok, il y a du monde là-bas. Je suis pas spot. Tiens, intéressant. C'est cool, c'est cool. Ils sont trop loin. Pourquoi ils me voient pas? Ok, si là, je suis spot par contre. Ok, ça, c'est gênant. Ils vont peut-être galérer à me percer un peu là. Lui, il croit qu'il est plus spot, lui, à tous les coups. Lui, il croit qu'il est plus spot, le lolo là. C'est bon, il est mort. Parfait, parfait. Attention, le CS, on a mis le CS. Ok, on tient bien le truc là, 2-0. Parfait, parfait. Le CS, je ne le vois pas, il ne me voit pas. Ah, il est là-bas. Je peux peut-être avancer. Oui, vous savez quoi? Est-ce que je peux descendre de là? Je vais pas risquer. Je vais pas risquer de descendre de là, là, tout de suite. Je vais descendre tranquillou, pilou. Alors, le chemin est normal. Alors, j'ai quoi là? J'ai trois charges de trucs. Vas-y. Je crois que ça augmente la puissance moteur, ça et tout ça. Donc, c'est peut-être le moment. Ah, lui, il est là-bas. Voilà, ça c'est fait. C'est plus à faire, comme on dit. Très bien. On peut aller s'attaquer au lourd là. Avec notre bon char. Notre bon char TD là pour le coup. S'il me laisse des restes seulement la team là. Alors, on va passer en A là normalement, si tout va bien, je pense. On devrait la gagner celle-ci. J'espère bien en tout cas. On a à nouveau notre set là qu'on peut utiliser. Vas-y, j'augmente encore les caractéristiques. Puissance moteur apparemment, etc. Donc moi je prends tout ça, je prends, c'est gratuit, c'est bonus. Donc on peut prendre. Alors le Escon qui est là-bas derrière, bon il va se faire farmer, c'est sûr. Je sais même pas si j'aurai des restes là comme on dit. J'aurais dû prendre tout de suite là. Bon, est-ce que je peux passer là? Non, même pas. Pas vraiment. Ouais, je vais mettre 2 heures, c'est bon, c'est mort. Amorak en plus. Et Léopard, je sais pas où il est. On cap les gars ou bien qu'est-ce qu'on fait? Vraiment lui courir après là. Il me foutra au cap moi, ça. Ouais, le escon qui fait pareil. Ouais, vas-y, on va se foutre au cap là parce que lui, j'ai pas envie de lui courir après là. Le lolo. J'ai déjà plus ou moins bien fait ma game là. Il est là-bas, il est chez nous. Hein.
J'en doutais un peu, mon copain, que t'allais aller là-bas chez nous. Mais bon, on va capturer. On n'aura jamais le temps de faire quoi que. Bon, là, il va pas venir. Clairement, il peut pas venir par là. Ah, donc, la torte de l'autre côté de la cape, là. Par ici, par là-bas. Viens seulement te jeter sur la cape, mon ami. Viens seulement. Non, il va même pas venir à tous les coups. Il est resté planqué là-haut, là, à son promontoire, je parie. Ah, bah, il a coulé. Très bien, il a coulé. Il est tombé comme une bouse. Ça c'est fait, j'ai envie de dire. Bon, Ori qui m'a fait, ça m'a fait plaisir là de jouer le Ori, de mettre des golds dans le petit EBR, c'était cool. C'était pas très fair play, mais c'était rigolo. Très bien. Alors, mettre cette poids. Est-ce qu'on est monté en A? Là, on n'est pas bien classé. Là, ça va encore. On est quatrième. Hop. Ah, ça y est, on est en A. Parfait. Ben, là-dessus, ça va être la fin de la vidéo. Je reviendrai certainement cet après-midi, assez motivé là pour le coup. 412 sur 500, très bien. Très bien, très bien. Oui, je reviendrai certainement cet après-midi, sinon certainement demain pour faire mon dernier jour de classé de la semaine. Il est quelle heure là? Ouais, j'ai large le temps normalement de revenir cet après-midi. J'espère que ça vous a plu. Comme promis, je mets toutes mes batailles classées sur YouTube, que j'ai fait de la merde ou non, que j'ai dit des conneries ou non. Voilà, donc. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Si oui, vous pouvez lâcher le pouce bleu. Enfin, le pouce en l'air, quoi. Et à plus tard, tout le monde. Pourquoi pas follow la chaîne si vous ne voulez pas rater la suite de mes aventures reclassées. Pourquoi pas C4 peut-être jouer le KPZ 50 tonnes ou et le concept AB. Ciao, ciao, à la prochaine.